La chute de Saïgon, 29 avril 1975. Où est Lynn? Lynn Braddock? Elle est partie. Où est-elle partie? Ça, je ne sais pas. Ne déchirez rien, cassez-vous. Ensuite, chacun met son carton. Lynn, est-ce que ton mari t'emmène en Amérique? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu fais de ça? Je ne peux pas tout emporter. Thank you.
Tu la laisses, celle-là? Oui, prends-la. Prends tout ce que tu veux. Emmenez-les! Capitaine, est-ce qu'une certaine Lynn Braddock est venue? Pas ici, colonel. Vous êtes un ami de Lynn? Je suis son mari. Elle est retournée à son appartement. Quand? Il y a une heure, peut-être deux. Elle devait prendre ses papiers. Cette robe est si belle. Merci. Au revoir. Prends soin de toi. Au revoir. Oh,
C'est bon. Je vous ai dit de foutre le camp. Descendez, descendez. Reculez. Je suis Lynn Braddock. Je ne peux pas vous laisser entrer. Je vous en prie, ne poussez pas. Je travaille sous l'ambassade. Lynn Braddock. Reculez. Capitaine, elle dit qu'elle est sur la liste. Faites-la reculer. Maintenant. Lynn Braddock. Je suis interprète pour l'ambassade. Donnez-moi vos papiers. En arrière, maintenant. Je ne les ai plus. On me les a volés. Mais je suis sur votre liste. Mais il me faut vos papiers. Mais je viens de vous le dire. On m'a volé tous mes papiers. Reculez. Je ne peux rien faire si vous n'avez pas les papiers. Je vous en prie. Attendez une minute. Vous êtes la femme du colonel Braddock. Vous êtes la femme du colonel Braddock. Oh, attention. Washington, de nos jours. Mon père. Bonjour, Cindy. Bon, ça va? Je devrais être candidat à la présidence. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'il n'a pas entendu. Ah, vraiment? Monsieur Braddock? Oui, c'est moi. Colonel James Braddock? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pouvez-vous m'accorder un moment, s'il vous plaît? Asseyez-vous. Merci. Oh, merci. S'il vous plaît, je peux vous parler plus en privé? Oui, bien sûr.
Merci. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Non, non, merci. Je suis le révérend Polanski de la mission pour les enfants amérasiens au Vietnam. Officiellement, je suis ici pour collecter des fonds pour la mission. Mais j'espérais pouvoir vous trouver avant de repartir. Me trouver? Et pourquoi? Eh bien, il y a un an, un jeune amérasien est arrivé à la mission pour me demander de l'aide. Il m'a dit que sa mère était malade. Je suis allé voir si je pouvais faire quelque chose, et j'ai appris qu'elle travaillait pour l'ambassade des États-Unis pendant la guerre. Elle avait été sévèrement punie par le gouvernement vietnamien. Et avoir un fils à moitié américain n'a pas facilité les choses pour elle. Je trouve ça regrettable, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Cette femme a comme nom d'épouse Madame James Braddock. Qu'est-ce que vous dites? Je parle de votre femme, Monsieur Braddock, Lin Tan Yang. Vous faites erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Ma femme est morte à la chute de Saïgon. Votre femme est vivante, je la connais très bien. Et votre fils s'appelle Van. Il a maintenant 12 ans. Ma femme et moi n'avons pas eu de fils. Pourquoi vous est-il si difficile d'admettre ce que je vous dis? Parce que j'ai vu le corps de ma femme calciné, voilà pourquoi. Vous avez vu un corps, mais ce n'était pas celui de votre femme. Lin Tan Yang est vivante. Pensez ce que vous voulez, mon révérend. Mais je sais ce que je dis. Il faut que je vous laisse maintenant. Mamie, je crois que je la connais. Je les ai vues la semaine dernière. Même si vous m'aviez cru, je ne crois pas que vous auriez pu faire quelque chose. J'ai fait les démarches auprès du département d'État qui ne veut rien savoir. Mais je devais vous la prendre. Au revoir, Monsieur Braddock. Dieu soit avec vous. Braddock. C'est IA. Veuillez venir avec nous. Attendez dehors. Ça fait longtemps, n'est-ce pas, colonel Braddock? Comment allez-vous? Vous savez très bien comment je vais, Little John. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez parlé avec le révérend Polanski. Et alors? Est-ce qu'il vous a dit à vous aussi cette histoire de dingue au sujet de votre femme qui serait vivante? C'est une histoire de dingue? Mais bien sûr que c'est dingue! Vous avez fait une grave erreur. Je ne l'avais pas cru jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous comptez faire pour eux? Rien du tout. Si je ne les fais pas sortir, ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Thank you.
Bangkok. Nous espérons que vous avez fait un bon voyage et que nous vous reverrons sur Thai Airlines. Conduisez-moi en ville. Essayez aussi de me casser la gueule. Comment tu vas, vieux Braddock? Est-ce que tu as réussi à tout avoir? Oh. Ouais, j'ai réussi à tout avoir. Et je peux te dire que ça n'a pas été facile. C'est pour ça que je t'apprécie, Mick. C'est à ça que servent les amis, Braddock. Ce qui me fait penser, t'as le fric. Bon, allons-y. Non, inutile de se presser. L'avion ne sera pas chargé avant plusieurs heures. On a un long chemin pour sortir de la ville. Ah merde, voilà les problèmes. Va chercher la voiture, mets-la devant. Ah, d'accord. Hey. Non, vous n'allez nulle part, Michael Tchek. Emmenez-le dans la bagnole. Oh, ça alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, fais gaffe à ma bière, toi. Je vous l'avais dit, Braddock. Il faut pas déconner avec nous. N'essayez pas de m'arrêter, Little John. Je vous arrête dès maintenant. En route. Oh! Ah! Pousse-nous, t'es mort, connard! Maintenant, plus un geste. Y arriver. Merde. Hey, vous, arrêtez immédiatement. Braddock, il se sent. Dépêchez-vous, montez dans les voitures et rattrapez-le, allez. Oh non. Tu voudrais pas lever le pied, juste un petit peu? Je veux dire, moi je dois vivre ici, toi t'as pris un aller simple. Oh, oh. Ah.
maintenant, on va avoir toute la police à nos trousses. Oh. On est encore loin de l'avion? Ah, c'est long de sortir de Bangkok. Non, il fera jour d'ici qu'on arrive là-bas. Allez, en route! Enlevez les cales! Qu'ils soient prêts à décoller! Vite! On s'en va! Allez, en route! En route! Dépêche-toi! Allez, dépêche-toi! Dis donc, t'es sûr que cet engin va quitter le sol? Ah, détends-toi, mon vieux. Installe-toi bien et profite du paysage. Ça va être une partie de plaisir. Maintenant où on va, puisque c'est un secret. Sur la côte, Gunray Bay. Ah, il va falloir raser les vagues. Faut pas qu'on soit repéré par leur radar. Dis donc, Braddock, tu sais piloter? Tu devrais prendre les commandes, hein? Je me repose un peu. Voyons si tu pilotes aussi bien que tu conduis, hein. Oh, ça fait très longtemps. Ah, tu vas y arriver, je te le dis. C'est tout de même plus calme ici que dans ton automobile. Tu sais, quand on sera à l'endroit où tu sautes, je serai obligé de monter très vite. T'auras pas plus de 5 secondes pour sauter avant que je plonge pour être à couvert. Et il me faut 10 secondes. Et si t'es gentil avec moi, je te donnerai 10 secondes. Vietnam. J'aurais jamais cru y revenir. J'ai comme l'impression qu'on le quitte jamais vraiment. Bon, allez, va à l'arrière, je vais reprendre les commandes. Attention, Braddock, dans 30 secondes. Bonne chance, mon pote. Thank you.
Remercions le Seigneur chacun de nous à sa façon. Xin chư ban phước lành cho chúng con. Amen. Merci mon père si bon et si sage pour ce toit, ces amis et cette nourriture quotidienne. Bénis au Seigneur la nourriture que nous prenons et garde-nous tous. Et garde-nous tous à l'abri et en sécurité. Amen. Amen. Vous commencez sans moi, je reviens vite. Andy. Braddock, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Où est ma femme? Elle n'habite pas très loin. Alors dites-moi comment y aller. Non, je vous ai conduit. Mettez ça. Il y a le couvre-feu, nous devons être extrêmement prudents. Je n'ai pas pu vous dire que c'était aussi terrible. Vous pouvez rentrer, mon Alera. Et merci. Bonne chance. Dieu vous bénisse. Talent, mon vieux. Pendant des années, il a beaucoup rêvé à toi. Parfois, dans les moments les plus difficiles, je m'apercevais qu'il te parlait comme si tu étais là et que tu pouvais améliorer les choses pour lui. Mais un jour, il a cessé d'y croire. J'ai tout fait pour que tu restes vivant dans son cœur. J'ai tout fait. Je sais ce que tu ressens, Va. Tu penses que je vous ai abandonné, toi et ta mère, mais... Je veux que tu saches... Van, s'il te plaît. Si j'avais su... que ta mère et toi, vous étiez vivants... il n'y aurait rien eu au monde qui aurait pu m'empêcher de venir avant aujourd'hui.
tout changé, Jim. Je suis désolée de ne plus être assez belle pour toi. Tu seras toujours la plus belle pour moi. Il faut s'en aller maintenant. Tôi muốn đi về nhà. Tại sao mày đi đâu rồi này? Ra rồi ngay, muốn phụ thuộc con. Dạ không, tôi muốn đi về nhà. Mặc sao tôi bảo tôi, khó năng. Đi theo tao. Mỹ là. Chuyện gì vậy đó? J'en ai sûr, Braddock. Je t'en prie, sois patient. Nous avons eu que nous deux pendant 12 ans. Et maintenant... ça doit être très difficile pour lui. Il va avoir besoin d'un peu de temps. J'ai tout le temps du monde. Je t'aime infiniment, Jim Braddock. Je crois qu'il faut que je parle à notre fils un petit moment. Je vais préparer le bateau. Van. Van Heuy. À présent, tout va bien pour nous. Tu ne te soucies plus de moi maintenant. Tu ne penses qu'à lui. Ce que tu dis là est faux. C'est notre amour. T'a mis au monde. Ton père t'aime tout autant que moi, si seulement tu voulais lui donner une chance. Essaie, je t'en prie.
savez comme j'ai peur. Je sais, mon fils. Mais une fois qu'on sera en Amérique, tout ira beaucoup mieux, je te le promets. Ton père te le promet. Lynn, il faut s'en aller, vite! C'est de la folie de revenir. Je suis le général Quoc. Comment allez-vous, madame Braddock? Major. Et voilà probablement votre fils Van. Mignon petit garçon. Lorsque j'ai reçu le rapport signalant qu'un étrange bateau avait échappé à mes soldats et se dirigeait vers la ville de Ho Chi Minh, je me suis permis de présumer que c'était vous, Braddock, puisque le révérend Polanski venait à peine de rentrer de votre pays. Mais maintenant, Braddock, il va falloir payer pour les crimes que vous avez commis contre mon pays bien-aimé. Non, rien à voir avec ça. Ce que vous dites est absolument vrai. Vous allez voir que votre première épreuve est une vraie gageure. Les gens que nous utilisons habituellement sont légèrement plus grands. Ha 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 ha.
J'ai fait passer cette épreuve à beaucoup, Braddock. Et personne n'a encore tenu une heure. Mais peut-être serez-vous le premier, hein? Je ferai tout ce que vous voudrez. Relâchez mon fils. Vous ferez tout ce que je veux. De toute façon. Bravo, colonel Braddock. Vous êtes effectivement aussi dur que le dit votre réputation. Et j'aime ça. Oui, j'aime ça. Joy Town, Tony. Vous ne m'avez pas déçu, Braddock. Ah!
Tu m'as dit qu'il y a un d'arrêt. Va y arriver. Hein? Va à la mission. Braddock, mon général. Du Mans, prêtre! Du Mans! Nous savons que tu as aidé Braddock. Moi? Vous devez faire une erreur. Joyce, hein? Oh! Du Mans? Peut-être qu'un changement d'environnement va t'aider à penser plus sainement. Mazai!
Emmenez-le. Vas-y, emmenez. Je vous en prie, non. Je ne peux laisser mes enfants. Ils ont besoin de moi. Oh, bien sûr. Je ne voudrais pas vous séparer de votre bande de petits bâtards moitié américains. Amenez-les tous. Amenez-les tous. Maulin, Maulin. Maulin. Thank you.
con. Révérend, Dieu merci, Paradoxe.
descendre les gosses. Allez les enfants, vite, vite. Il faut s'éloigner du camion. C'est fini. Il y a 90 km jusqu'à la frontière. Vous n'allez pas demander à ces enfants de faire 90 km à pied? Je ne demande rien à personne, révérend. Mais à pied ou à genoux, on va les faire. Venez, les enfants. Venez, mon révérend. Braddock, les enfants sont morts de fatigue. Il faut s'arrêter pour se reposer. Je vous en prie, Braddock. Ils ne sont pas très forts. Attendez ici. Thank you.
Venez les enfants, vite, vite. Allez les enfants. Faites attention, ne vous blessez pas. Plus vite, plus vite. Maman, maman. Dépêchez-vous les enfants, foncez vite. Retournez auprès des gosses, mon révérend. Je crains que le plus dur reste à faire. Ah, le plus dur reste à faire. Mayday, ici le colonel James Braddock, qui appelle le commandement des secours militaires. Répondez. Mayday, mayday. Viens, viens t'asseoir. Mayday, mayday, ici le colonel Braddock. Je suis dans un C-47 en difficulté. J'ai un avion plein d'enfants amérasiens. L'appareil a été touché, il perd son carburant. Je suis à 80 000 à l'est de la frontière Thaï. Qui que vous soyez, si vous m'entendez, veuillez transmettre ce message au commandement de secours militaire américain. Est-ce que tout le monde va bien à l'arrière? Et toi, ça va? Je vais bien. Et toi? Je vais bien, moi aussi.
Abonne-toi. Descends, Val. Aide les autres. J'aurai neutralisé les gardes. Vous emmenez les enfants sur le pont et vous traversez au plus vite. Vous entendez ce que je dis? En venant ici, je me demandais comment tu pouvais être. Je veux que tu saches que tu es tout ce que je souhaitais trouver dans un fils. Et que je suis très fier de toi. Dan. Braddock et les enfants. On a intercepté un message radio. Ils se sont posés en catastrophe près d'ici. Attendez bien. Hey. Tuân lệnh đồng chí, nghe rõ. Điểm tâm, phát tốc. Quân tìm chiếm biến. Điểm tâm, phát tốc.
blessé, Dan. Faut lui donner un coup de main. Laissez-le, général. Il y est allé tout seul. Personne ne franchira la frontière. Dieu merci, vous êtes vivant!
can see the love of freedom shining in your eyes. I can see the love of freedom in your eyes. Oh, oh. When I look into your eyes, what do I It is the love of freedom staring back at me. I can almost see the eagle take the sky, see the fly. It is our love of freedom that has always kept us strong. Let it be the bridge that brings our children home. I can see the love of freedom shining in your eyes. I can see the love of freedom in your eyes. Thank you.